On va pas se mentir, le dernier épisode était assez fou. Merci beaucoup pour tous vos retours encore une fois. Je vois que vous êtes tellement tendu, tellement en pression comme moi. Et c'est fou que je ne vive pas ces émotions tout seul, mais que je les partage avec vous. Et ça, c'est dingue. Vous êtes tout aussi en stress et ça fait plaisir. Ah, je vais pas vous mentir, ça me fait plaisir que je sois pas tout seul en PLS. Hein. Merci également à tous ceux qui ont joué le jeu et qui sont allés répondre au sondage sur Amino. Il va encore durer quelques jours, donc si vous l'avez pas fait, n'hésitez pas à aller le faire. On a fait passer l'Amino des 3 Become Human de 1200 membres à plus de 3000. C'est énorme. Merci beaucoup. Vous devez être super content d'avoir plein de nouvelles personnes. Et du coup, par rapport à ce sondage, pour l'instant, Connor est largement en tête et je suis grave étonné. Je suis grave étonné parce que c'est vrai que Connor a quand même une énorme évolution. Au début, il était vachement en retrait et de plus en plus, et surtout dans cet épisode là où c'est maintenant que son rôle va être le plus important, bah vous êtes très très nombreux et très nombreuses aussi, hein. Ouais, beaucoup nombreuses aussi à kiffer Connor. Kara arrive en deuxième position et ensuite Marcus en troisième. Je suis assez étonné, je pensais vraiment que Kara serait dernière parce que moi je suis un petit peu team Kara clairement. Et j'avoue que Connor est grave remonté dans mon estime, mais c'est assez difficile quand même de choisir. Bref, on va voir un petit peu ce que vaut Connor. S'il doit jouer son premier rôle, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Nous y sommes, la tour Cyberlife, toujours avec Connor, hein, toujours. C'est maintenant d'ailleurs les amis qu'on va devoir ultra se concentrer parce que à la moindre erreur, tout peut partir en vrille. À la moindre erreur, je peux tout faire foirer dans le jeu et me taper une vieille fin toute pétée. Il faut absolument qu'on se concentre et qu'on arrive à bien faire les choses. Ça met une pression, vous imaginez même pas. Je sais qu'à la moindre erreur, je peux tout faire foirer. Et ça met une pression, mais vous imaginez même pas. Mais regardez, waouh, what the fuck, c'est quoi ça? La tour est gigantesque, c'est dingue, c'est dingue. Regardez le nombre d'androïdes, etc. Vous imaginez si on a tous les androïdes pour nous? Ce serait fou, ce serait fou. Est-ce que je peux scanner des choses, peut-être? Suivre le garde, ça on connaît. Ok, d'accord, donc il y a personne derrière moi. Ok, donc je suis pas trop entouré, il y a juste lui en face. À la limite, si on arrive à se débarrasser de lui, je sais pas. Peut-être qu'on sera un petit peu plus tranquille. En tout cas, c'est assez dingue. C'est triste aussi, à la fois, parce que regardez-moi ça. Genre, l'allée, le couloir, il est jonché d'androïdes. Et je trouve ça horrible, quoi. Ils ont vraiment, ils font vraiment genre trophée, exemplaire, quoi. C'est... Voilà leur rôle. C'est super triste. Alors, agent 54, niveau 31. Reconnaissance vocale validée. Accès autorisé. Moins 49. D'accord. Très bien. Alors, neutraliser les gardes. Arrêter l'ascenseur avant le 31e étage. Oh là 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 là. C'est chaud! Neutraliser les gardes, comment je fais? Prévisualiser. Ok, je prévisualise. Hop. D'accord, alors comment est-ce qu'on va faire? Si on va de ce côté-là, lui, on le défonce. Ensuite, lui, je lui mets une espèce de gros kick dans le ventre. D'accord. Puis, ensuite... Ah, c'est... Ah, très bien, bah, c'est plus facile qu'avec Marcus, en tout cas. Allez, hop là, ça dégage. Hop, ça dégage. Toi, tu t'arrêtes. Attention! Non, 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 non. Allez, bouge. Hop. Non, non. Oh, j'ai failli foirer. J'ai foiré d'ailleurs. Mais je l'ai buté. J'ai foiré, mais j'ai quand même buté, ça va. Changer la destination de l'ascenseur. Ok. Veuillez indiquer votre identité et destination. Voix de l'agent 54, votre Connor. Voix de l'agent 54. Agent 54, niveau moins 49. Reconnaissance vocale validée. Accès autorisé. Connor, j'étais pas sûr parce qu'au final, puisqu'il a trahi un mandat, peut-être qu'il est sur une liste noire. What? Attends, dans la gare routière. Ah oui, le avec Kara. Le bus part dans 20 minutes. Ça nous laisse pas beaucoup de temps. Il faut vraiment qu'on se dépêche. Yes, yes. Ok, on a 20 minutes. Bon, 20 minutes, c'est quand même assez énorme pour le coup. Est-ce que ça va? J'ai vraiment froid. Mais comment est-ce que pas avoir froid? Paramètre. Ah! Sensibilité chaud-froid activée. Je peux désactiver ça. Ça ira mieux dans un instant. Merci. Oh, d'accord. Donc en fait, tous les androïdes ont un paramètre de sensibilité au chaud et au froid. Elle s'était activée, du coup je viens de lui désactiver. D'accord, oh, putain, ça explique plein de choses, c'est fou. Le seul truc que je comprends pas encore, c'est pourquoi est-ce qu'elle a plus la LED. C'est la seule chose que je capte pas trop.
Ah ouais, c'est vraiment la guerre civile. C'est incroyable. Ouais, je le prends clairement. On sait jamais, hein. Cache-moi ça, Kara. Cache-moi ça, voilà. Personne doit le voir. Je sais pas d'ailleurs où tu vas le mettre parce que... Là, je vois pas où tu l'as mis, là. Faut pas rester là. Doucement, doucement. Prends pas de risque. Non, ne me faites pas mal. Non. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, Liz, je sais pas. Continuez de marcher si on veut avoir le bus. Reste à côté de moi. On va essayer de se faufiler sans se faire remarquer. On va s'en sortir, Alice, je te le promets. Ne me tuez pas, je n'ai rien fait. Oh là là, là pareil, hein. Moindre erreur, Karamer. Hein. Moindre erreur. Mais oui, c'est dingue. Faire attention. On attend un peu. On attend encore un petit peu. Maintenant. Ok. J'ai l'impression comme jamais, c'est fou. Je regarde un peu partout. Se cacher soit à gauche, soit à droite. Je vois plus à droite, moi. Mais tu fais quoi? Tu fais quoi? Dépêche-toi, dépêche-toi. Ok. Tranquille, tranquille. Ah, oh, il va l'exécuter. Oh non. Salut, non. On peut pas l'aider, non. Ouais. Il y a des soldats partout. On peut pas l'abandonner. Ils vont le tuer. Ça pouvait pas être pire. Ça ne pouvait pas être pire. Il fallait absolument qu'il soit ici, quoi. Putain. Non, je le sauve, je le sauve. Ok, allons-y. C'est ma famille, frère. Non, non, c'est ma famille. On peut pas le laisser, on peut pas le laisser. Oh, tu saoules. Pourquoi tu t'es pas sauvé aussi? Et toi? Vous faites erreur. Je suis humain. Je rentrais juste chez moi. Ma femme okay. M'attend à la maison. Et d'ailleurs... Désolé, mais on doit contrôler tous les civils. Allez, allez. Oh là là, il c'est un androïde, c'est ça? Non. Non. C'était sûr. C'est horrible. Trouver une arme, comment ça? Mais j'ai déjà une arme, je l'ai, elle est sur moi. Ok, là, d'accord. Je comprends mieux. J'ai un flingue si jamais. Ah mais oui, c'est pour être un peu plus silencieux, forcément. Approchez lentement. Doucement. Doucement. Ok, dégage. Hop. Kara. Chut, chut, chut. Tu n'aurais pas dû risquer toi, toi. Où est Alice? Elle se cache près d'ici. Kara, tu nous as sauvés. On ne sait pas comment te remercier. Allez-y avant qu'il vous voie. Mais c'est ça, bouge, on n'a pas le temps. Alice. Lutez. Je croyais que t'étais mort. Chut. J'ai cru que je ne te reverrai jamais. J'ai essayé de vous rejoindre à la gare. Mais ils m'ont arrêté en chemin. Il faut y aller. On y est presque, mais on n'a plus beaucoup de temps. Ok, ok, ok. Pour l'instant, ça se passe... Ouh, ça se passe bien. On attend, on attend. Oh. C'est chaud. C'est chaud. Non, 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 non. Regarde pas par là. Regarde de l'autre côté. Ok, maintenant. Putain, Luther, il est géant. On va forcément se faire cramer à cause de lui, c'est sûr. Alors, on va attendre un petit peu le bon moment. C'est forcément... Ah, d'accord. Donc vraiment, zéro sang-froid, quoi. Ok, enfin, zéro humanité. Très bien. C'est un plaisir, les gars. Un plaisir. On est là, on y va, on y va, on y va, on y va. Visite ! Dépêchez-vous. Ok, ok. Doucement, tranquille. Il va forcément se retourner, c'était sûr. On attend le bon moment les amis. On va pas se précipiter, on prend notre temps. Allez, maintenant. Le bus, il est là, il est là. Yes, c'est parfait, c'est parfait. J'espère qu'on a de l'argent pour les tickets. Parce que ce serait con quand même. Un poste de contrôle. Super. On a de la chance, hein. On a des passeports, ça devrait être bon, mais on sait jamais. On devrait peut-être faire un détour pour éviter le danger. On n'a plus beaucoup de temps, on risque de rater le bus. Oui, mais c'est peut-être plus prudent.
Ah, qu'est-ce que je dois faire? Oh non. Risquer 3 minutes et 11 minutes. Oh là 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 là, qu'est-ce que je fais? Oh là 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 là, qu'est-ce que je fais? Le truc, c'est que, est-ce que Luther a un passeport, en fait? Oh là là, je tente, parce qu'on n'aura pas le bus, sinon, mais... Je sais pas si Luther a un passeport, nous deux, oui. Mais lui, est-ce qu'il en a un? C'est ultra risqué. Pas les humains qui ont des armes. Ils me rendent nerveux. Reste calme, ok, Luther? Ne fais rien avant mon signal. Papier, s'il vous plaît. Ok, on monte les papiers. Tiens. Et Luther? Vous savez qu'il y a un couvre-feu, n'est-ce pas? Les civils n'ont pas le droit de sortir, sauf en cas de nécessité absolue. Où est-ce que vous allez? Excuse Alice, excuse Alice. Ma fille a passé la nuit chez une amie. On est allé la chercher, on rentrait chez nous. Il se doute de quelque chose. Restez calme, restez attentif, restez calme. Reste calme, tout va bien. Tout va bien, petite? Elle tremble. Un problème? Malade, froid, peur. Elle a froid. Elle a froid. On doit la ramener à la maison au plus vite. Désolé, madame, mais on doit faire attention. Il y a des déviants en ville et les hommes sont sur les nerfs. Rentrez vite chez vous. Merci. Yes. Ok, go. Hey, attendez un peu. Il sait, Kara. Non. Ils vont nous tuer. Non, chut, on fait rien. Surtout ne fais rien, Luther, tu m'entends? Ils vont nous tirer dessus. Ils vont tuer Alice. La ferme, on fait rien. T'as fait tomber ça? Merci. On a l'impression comme ça. De rien. Oh. T'as mis Luther, tu fatigues. T'as mis la pression pour rien, là. Ok, ok, c'est bon. Nous sommes en direct de Détroit, où des milliers d'androïdes défilent dans les rues de la ville en ce moment même. Le chef des déviants, celui qu'ils appellent Marcus, est en tête du cortège. Il se passe quelque chose à Détroit, madame la présidente. Elle, je l'aime vraiment pas. Elle saoule. Ok, on marche vers le camp. Doucement, tranquille. On n'a pas envie de faire quoi que ce soit de mauvais. On est en plus toute la planète, toutes les États-Unis nous regardent. C'est vraiment le moment de montrer ce qu'on vaut. Et qu'on n'est pas un danger, ok? Donc tranquille. On crie pas, il n'y a pas de... Nous sommes un peuple! Non, là, on se détend, on fait rien. Et on est tout gentil, ok? Oh là là. Je sens que ça va mal se passer, je sens que ça va mal se passer. Je dois aller par là-bas, ça. Ah mais regardez, ils sont en position, mais... Ils vont forcément nous tirer dessus, comme ça va se répéter. On y est. Le moment de vérité. Oh là là. Moment de vérité quoi, mon gars? Très bien. Les habitants, les humains, ils peuvent pas genre... voilà, genre venir. Et venir, enfin, marcher avec nous, comme ça ils pourront pas tirer. Pacifique. Nous ne voulons pas d'affrontement. C'est une manifestation pacifique. Yes. Ils nous laisseront pas fuir, ces ordures. On ne peut plus faire marche arrière. Calme. Nous vous demandons de libérer tous les androïdes détenus dans les camps et de cesser les violences à notre encontre. Nous venons en paix. Yes, nous c'est refusons bon. D'avoir recours à la violence. Mais nous ne partirons pas tant que notre peuple ne sera pas libre. Yes, ça c'est bon ça. Yes, l'opinion publique n'arrête pas d'augmenter. C'est très très bon. Non, non, non. L'opinion publique encore... Non, non, s'il te plaît.
Elle monte, elle monte. Non. S'agenouiller, s'asseoir, lever les mains, lever les poings, lever les mains. C'est beau. Allez, on continue. Vous allez tirer sur des manifestants qui ne sont pas armés ? Yes ! Allez, ça a porté ses fruits, on va y arriver, on va y arriver. J'y crois. Allez, j'ai un espoir. Oui, Michael, nous sommes à moins de 100 mètres et la scène se déroule à l'instant sous nos yeux. Nous vous tiendrons informés de la suite des événements. Josh Douglas pour Channel 16. Michael, à vous les studios. Marcus, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il faut tenir. Aussi longtemps qu'on peut. Yes, Connor, allez, à ton tour. Waouh, tout s'enchaîne, c'est incroyable, ça, c'est incroyable. Oh, vous voyez tout ça ? C'est dingue ! Non, t'as foiré la caméra, Connor, sérieux. Tu dois pas foirer, Connor. Tu dois pas foirer. Toi. Ensuite, toi. Ah d'accord, ok. Hop, hop. Oh, il est chaud. Alors là, Connor. Je me concentre, les amis. Je me concentre. Yes, ça c'est good. Faut vraiment pas que je foire, faut vraiment pas que je foire. C'est des connards ? Non, mais il ressemble grave à connard, c'est incroyable. Enfin, quoique, pas tellement en fait. Ah non, non, il ressemble plutôt au mec qui était chez Marcus. C'est plutôt ça en fait. Je peux les convertir ou pas ? Non, je peux rien faire, je peux juste avancer. Ok. Convertir. Allez, on va faire une chaîne, les gars. Et... Oh, c'est dur. Doucement, ta ferraille de merde. Oh non. Maintenant, recule, Connor. Arrête tes conneries. Et je l'épargnerai. Désolé, Connor. C'est ton salopard de frère jumeau, là. Non. Non. Et on repart avec Kara. Oh, mais c'est tellement chaud. C'est fou. Il y a trop de trucs qui s'enchaînent. C'est incroyable. C'est incroyable, les amis. C'est incroyable. Cet épisode est dingue. Cet épisode est fou. On est arrivé, Alice. On a réussi. Ok. On va y arriver, les amis, on va y arriver. Pour la frontière est plein. Il est réservé aux passagers munis de tickets. Nous vous informons que tous les départs sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. On n'a pas de tickets, ils nous laisseront pas monter. Ah bah c'est sûr. On est coincé ici. Comment je fais ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Bah ouais. Trouver des tickets. Kara, ils contrôlent tout le monde. Ils ne vont pas tarder à nous trouver. Il nous faut des tickets, il nous faut des tickets. Il nous faut clairement des tickets. Là-bas, là-bas, là-bas. Sortir d'ici. Il nous faut des fucking tickets. On dirait qu'Oliver t'aime bien. Elle est à vous ? Oui. Elle est adorable. C'est bon, j'ai des sandwichs et j'ai appelé ta mère. Allons-y avant de rater le bus. T'as bien les tickets, hein ? Oui, chérie, super. Dans mon sac. Allons-y. Il faut lui voler. Il faut lui prendre. Il faut lui prendre. Oh ! Meilleur karma du monde. Je suis désolée. Pardon, je suis vraiment désolée, je les avais pourtant. Non mais c'est pas vrai. Je comprends pas ce qui s'est passé. Comment t'as fait pour les perdre ? T'as bien regardé dans ton sac ? Elles étaient dans mon sac. L'enveloppe est sûrement tombée. Merde ! Excusez-moi, vous n'auriez pas vu une enveloppe bleue quelque part, par hasard ? Nos tickets de bus étaient dedans et... Il s'est tombé. Je suis désolé, mais non. Là, c'est chacun pour soi, je suis désolé. Je peux pas risquer ça. Je peux pas. Désolé. Aïe. Qu'est-ce qu'on va faire ? On peut pas rester là. On doit emmener Oliver en lieu sûr. Je suis désolée, chérie, je sais pas ce qui s'est passé. Ils étaient juste. Je peux pas risquer ça, je suis désolée, mais je peux pas.
Prendre le bus, comment on fait? C'est par là-bas? Je sais pas. Je sais pas, c'est par là-bas? Je dois faire quoi? Montrer les tickets, d'accord. Vous avez vos tickets? Oui, tenez, les voilà. C'est bon, allez-y. Je suis désolé, mais là, c'était un... Je veux bien être gentil, je veux bien faire des bonnes actions, mais là, il y a un moment où je peux plus faire trop de bonnes actions, il y a un moment où il faut que je pense avant à Kara, Alice et Luther. Et là, c'était beaucoup trop risqué, je pouvais pas prendre le risque, je pouvais pas. S'ils nous contrôlaient, on mourrait, c'était sûr. On mourrait, c'était sûr. Je pouvais pas. Qu'est-ce qui va arriver à cette famille et à leur bébé? Je suis désolé, Alice, mais... Est-ce qu'ils vont mourir à cause de nous? Mais non, t'inquiète. Non. Non, bien sûr que non. Ok, bon. Ça me brise le cœur, mais... C'était eux ou nous? Vous auriez fait quoi, vous? C'était eux ou nous? Je pouvais pas prendre le risque. Ok. On retourne avec Marcus. Ça a l'air de bien se passer, on a un petit camp, c'est cool. Ils t'ont quand même bien touché. Hein. Allez, aidez-moi! On prend la voiture? Vraiment? F, DMD! Ok. Allez, on y va. Let's go! Allez, on y est presque. Encore un peu, c'est bon. Ah, d'accord. Non, encore, très bien. Et hop. Ok, ça devrait être bon. T'as bien qu'on pas le temps. Ils ont tous que ça les arrêtera pas. Bien sûr. Espérons qu'on gagnera du temps. Je sais que c'était pas une décision facile à prendre, mais je suis sûr qu'on a bien fait. Ok, très bien. J'ai tellement peur que ça se passe mal d'un coup. J'ai tellement peur que tout parte en vrille d'un coup. Soutenir le peuple androïde. Envoyer un message aux journalistes. Non, non, je vais clairement... Je dois faire les deux ou je peux faire qu'un seul? Parce que moi, j'aimerais bien... Ou alors, vérifier la position du soldat? Comment ça? J'aimerais bien... Alors déjà, on va allumer ça. J'aimerais bien faire les trois, en fait. Je sais pas si je ne peux faire qu'un seul truc. Je vais déjà vérifier la position du soldat. Hop. D'accord. Donc ils s'avancent, ces enfoirés. Ils s'avancent, hein. Très bien. Ça les arrêtera pas. Qu'est-ce qu'on fait s'ils donnent l'assaut? On résiste. Oh là là. C'est la seule chose à faire. Tu penses que Connor a une chance de s'en sortir? Bien sûr, on y croit. On ne peut plus compter que sur nous-mêmes. D'accord, très bien. Cool. Les journalistes maintenant, les journalistes. Clairement. C'est les journalistes en fait qui peuvent nous sauver. Marcus, on a trouvé ce que tu voulais. Attends, attends, attends. Comment est-ce que je fais un message aux journalistes? Comment est-ce que je fais? Ah, peut-être avec ça. Ah d'accord, ok. Peut-être avec ça, je sais pas. Je vais prendre ce truc là. Hop. Il y a des journalistes là-bas. Yes. On doit s'assurer qu'ils savent ce qui se passe. Prisonnier, égalité, vivant, libre. Vivant. Yes, super, ok.
c'est good. Pour l'instant, c'est que dans le bleu, c'est très très bien. Soutenir le peuple androïde. Maintenant, on soutient le peuple. Mais les amis, avant de soutenir le peuple androïde, oui, on va s'arrêter ici pour cet avant-dernier épisode de Détroit. C'est certain, c'est quasi certain. Le prochain épisode sera le bon. Le prochain épisode sera la fin de Détroit Become Human. Ça me fait trop de la peine de dire ça. Mais voilà, je pense que ce sera le cas. Du coup, soyez présents, les amis, soyez présents lundi à 17h10 précis. Je compte sur vous. Lundi, 17h10, abonnez-vous. Mettez la cloche, faites tout ce qu'il faut. Lundi à 17h10, on fait tout exploser. Les commentaires, les pouces bleus, les vues peut-être. J'espère que vous serez extrêmement présents. J'espère que vous serez tous là pour me soutenir, pour qu'on fasse de ce dernier épisode un dernier épisode mémorable de Let's Play. Lundi 17h10, rappelez-vous de cette date. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. J'ai une pression incroyable. On est en train d'assister au final de Détroit. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez. À lundi 17h10. C'était Sora, ciao ciao.